Avec une nouvelle agression qui s'est déroulée ce jeudi soir, quartier Saint-Michel à Bordeaux, un homme qui a reçu des coups de tesson de bouteille et couteau par quatre individus, dont deux ont été interpellés plus tôt dans la semaine. Une agression homophobe à coups de couteau également dans le quartier Saint-Jean pour Yacine et Benjamin Pierre-Hermique. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Donc je rappelle, vous êtes le maire de Bordeaux. Euh, une rentrée aussi pour vous, mais est-ce que vous aviez pensé inscrire sur votre tableau noir la délinquance à ce programme Pendant la campagne électorale j'avais été alerté sur la montée de la délinquance dans ma Saint-Michel. J'ai rencontré à plusieurs reprises les commerçants de Saint-Michel durant cette campagne et tous m'ont alerté en me disant le premier dossier sur lequel vous serez attendu, ça sera le traitement de la délinquance. Mais souvenez-vous aussi dans le cas des premiers débats que l'on a eu entre tous les candidats mmh. ici TV7, débat TV7 Sud-Ouest. L'un des premiers, ça a été sur euh, un sujet sensible, sur justement. ça a été voilà sur la, sur, la, sur la sécurité. Et je me souviens très bien qu'à l'époque j'avais dit euh, ce qui manque. C'est davantage de bleus dans les rues de Bordeaux, mmh. c'est-à-dire davantage de policiers. Ça veut dire qu'en fait, c'est dans les de que vous aimeriez revoir et souvenir euh, Ça a été une catastrophe de supprimer, pour des raisons purement idéologiques, de supprimer la politique de l'otage qui euh, donnait ses fruits, qui était efficace. Qui rassurait les habitants, euh, je pense que maintenant on va y revenir. En tout cas, moi, en tant que maire de Bordeaux, ce que j'ai à ma disposition, c'est la police municipale. Et l'une des premières instructions, la première instruction que j'ai donnée avec mon adjoint à la, à la tranquillité, à la sécurité, euh, à la police municipale, ça a été soyez présents dans les rues. Faites-vous Ça veut Faites dire vous que allez augmenter les effectifs de police Oui, oui. alors, alors déjà allez, que ceux qui sont, je, je veux qu'ils soient mobilisés. Pour redispatcher les horaires, les, oréains, les, les équipages. À fait, tout à fait. On va adopter une, une, une brigade canine aussi, on est en train de travailler sur cela. On va augmenter les, les recrutements, mais je l'avais dit dans le cadre de la campagne électorale, donc ce n'est pas une nouveauté. Donc, on va augmenter les effectifs de la police municipale qui soient présents sur le terrain. S'il faut qu'ils soient sur certaines opérations aux côtés de la police nationale qui elle, est chargée de la sécurité publique, mais, nous ferons en sorte qu'ils soient aux côtés de la police nationale, Alors, non pas à la place d'eux, que... mais à côté. Alors ça veut dire que peut-être, est-ce que vous imaginez la police municipale armée, puisqu'on a sur ce du, sujet tout, ou... Du tout, parce que je considère que les, les jobs, c'est ma question, ne sont pas les mêmes. Donc autant la police nationale a besoin, dans le cadre de sa mission régalienne, d'assurer la sécurité publique a besoin d'avoir des agents euh, armés, autant la police municipale dont les missions, plutôt la tranquillité, voire l'accompagnement de la police nationale n'a pas besoin, sinon, sinon c'est l'escalade. Je pense qu'à un moment donné, aussi, il faut éviter euh, ce type d'escalade. Euh, ce type, ce type Puis les formations ne sont pas les mêmes, les missions ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas banaliser deux professions qui sont deux professions tout à fait distinctes. Je pense que la brigade canine que nous allons mettre, euh, mmh. que nous allons... Que nous allons mettre au point Ce est aussi un une un réponse adaptée. Enfin, pas, le chien n'est pas une arme loin de là, mais je pense que c'est quand, quand même une façon aussi d'assurer peut-être plus de sécurité euh, que l'on doit à nos policiers municipaux. Vous, vous parlez de la police municipale, c'est un des leviers, mais de quel leviers autres vous disposez pour justement essayer de juguler cette délinquance montante que l'on voit arriver depuis le déconfinement notamment et sur des quartiers très spécifiques euh, On cible quelque part Saint-Michel, mais c'est là où ça se passe. Oui, alors le phénomène, c'est vrai, est plus ancien. On le fait remonter la sortie euh, du confinement, mais je pense que déjà avant, on était sur une pente plutôt, mmh. plutôt ascendante. À Bordeaux, on était mal habitué. C'était une ville où on était plutôt protégé de phénomènes de, de délinquance comme ceux qu'on connaît aujourd'hui, mais que d'autres villes connaissaient. D'autres villes qui ont connu aussi l'aggravation euh, de, la, de la délinquance en même temps. Mais euh, nous nous sommes un peu banalisés, euh, et donc il faut apporter de, de véritables réponses sur le terrain. Et la réponse sur le terrain, j'ai acquis la conviction que cette réponse, elle doit être d'une part ferme elle doit être équilibrée. Et elle doit concerner tous les acteurs. Tous les acteurs, c'est-à-dire que... L'une des premières visites que j'ai faites, je crois, quand j'ai été élu maire, ça a été d'aller voir, voir la Procureure de la République pour dire voilà, Madame la procureure de la République, nous avons envie de travailler avec vous, à vos Alors côtés. Et c'est hein. comme ça qu'on s'est mis d'accord sur un GLTD dont vous parliez mmh. à Saint-Michel. L'initiative revient à la Procureure, mais nous lui avons demandé on dit, Saint-Michel, il y a urgence, Madame la procureure de la République, on veut être à vos côtés pour euh, instituer rapidement un groupe local de euh, traitement de la délinquance sur ce, sur ce quartier-là, qui est actuellement le plus symptomatique, même s'il n'est pas le seul, mmh. de cette recrudescence de délinquance. Alors on Vu, Effectivement, Fabienne ducho c'est la préfète oui. s'exprimer sur ce sujet. Vous parlez du GLTD, donc le groupement local de, de traitement de la délinquance. Il va y avoir des, des premiers conseils qui vont se, se, se dérouler. On parle de deux rendez-vous par semaine. Alors, c est, c est, ça, ça, fait, ça veut dire quoi, ça, ce GLTD Qu'est-ce qu'il va y avoir Des réunions On va essayer oui. de déterminer qui, qui fait quoi, pourquoi, quelle cible C'est ça On met tous les acteurs autour de la table, que ce soit la police nationale, municipale, justice. Et également des acteurs de terrain, mmh. des, acteurs, des acteurs de la prévention. Il ne faut pas oublier qu'un traitement efficace de la délinquance passe aussi par la prévention. Ce que j'ai appelé tout à l'heure une réponse équilibrée, c'est une réponse qui privilégie tous les domaines, c'est-à-dire la prévention, la médiation, et quand ça ne marche pas, la répression, la, la, la sanction. Donc euh, l'avantage d'un groupe local de traitement de la délinquance, comme celui que, auquel on va participer, c'est de réunir autour de la table tous ces acteurs dans un climat de confiance, d'échange d'informations et dans un souci d'efficacité sur le terrain et de présence sur le terrain. Euh, je pense que les villes... Euh, où ça a, ça, a, ça a été mis en place, ça a plutôt pas trop mal fonctionné. Moi, j'ai eu le souci d'appeler d'autres maire, notamment le, le maire de Grenoble qu avait qu oui, avait qui l'avait expérimenté, qui m'a dit à Grenoble, ça a bien marché, donc il m'a plutôt encouragé à participer euh, à ce type d'initiative. Votre adjoint, justement, a, à la sécurité, elle a euh, dit par contre, il ne faut pas que ça dure plus de six mois, sinon c'est un échec. Oui, c'est ministre qui a dit ça, effectivement. En général, c'est temporaire. Donc il vous avez faut, en gros six il faut mois que, qu que ce Après, soit. Après, faut peut-être le faire ailleurs aussi. On va commencer oui. par le faire Saint-Michel, un peu large, mais euh, voilà, de six mois, c'est un, c'est un, un bon délai, à condition de mettre tous les moyens. En tout cas, nous, nous mettrons les moyens, les moyens à notre disposition. Et je suis persuadé que les autres acteurs de la chaîne euh, de prévention et de la chaîne pénale également ont le même souci d'efficacité économique. Ça veut dire quand même que vous regrettez qu'il y ait peut-être un manque de policiers sur le territoire bordelais. Oui. Est-ce que Bordeaux paie oui. le, paie son attrait? activité quelque part et du coup euh, euh, la, la délinquance, la montée de la délinquance c'était un revers de la médaille mais sûr quand on dit magnétique bordeaux c'est magnétique de tout euh, du bon et du, mmh. du bon et du mauvais donc euh, euh, la procureure de la république a dit récemment aussi que la lgv à deux heures avait amené aussi un nouveau type mmh. un nouveau type de délinquance à bordeaux des délinquants qui viennent faire leur larcin dans la journée viennent le matin ils repartent le soir ni vu ni connu ils sont pas fichés euh, voilà donc euh, L'attractivité est une, est, une, est une bonne chose, mais il faut aussi en payer toutes, toutes les conséquences et il faut se donner surtout les moyens de, de réguler et d'éviter ce type d'incant. Je pense que si tous ont fait preuve de bonne volonté, L'État, collectivité locale, justice, euh, prévention, je pense qu'on peut, euh, on, on peut, on peut y arriver. On va commencer très vite, parce que le GLTD, c'est vraiment euh, courant septembre. Après euh, le conseil de prévention dont parlait euh, euh, Madame la préfète à l'heure, ça va être un peu plus long mis en place, mais c'est moi qui vais le présider, c'est nous qui allons le, 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 le coordonner. On va le mettre en place euh, dès que possible. Mais l'urgence, c'est le GLTD, pour ça qu'on en avait parlé dès juillet, et il va se mettre en place rapidement euh, euh, dans les les premiers jours, même si on y est déjà, en tout cas dans le courant du mois de septembre. Parmi les moyens, notamment Régalien, Nathalie Delatre, vous le savez, avait soumis l'idée de mettre à demeure à Bordeaux une compagnie CRS, seule ville quasiment de cette dimension à ne pas en avoir. On sait qu'il y a la CRS 14, mais qui se plutôt de l'autoroute et qui navigue sur tout le territoire comme les autres compagnies, qui est à ce nom. Est-ce que ce serait un moyen de la renforcer, de l'utiliser ici sur le territoire Oui, je trouve que c'est une bonne idée. Vous voyez d'où qu'elle vienne, il faut. Je trouve que c'est une bonne idée. Nous allons effectivement aussi appuyer cette demande d'une compagnie serrée, c'est-à-dire à peu près 70 policiers en tenue. Je pense que c'est un rapport important pour les effectifs de police nationale sur le terrain. Bordeaux n'en avait pas à l'époque où Bordeaux n'était pas concerné par ces phénomènes de délinquance. Maintenant que Bordeaux est dans le dur. Je pense qu'il faut qu'on se donne les moyens d'avoir comme des villes, vous l'avez rappelé, des villes de la même strate. Il faut qu'on ait ce type, de, ce type de compagnie à, de, à demeure, même s'ils peuvent circuler, mais en tout cas à demeure sur le territoire bordelais. Un, un même acronyme est revenu deux fois euh, dans le sujet que nous avons vu, d'abord de Franck Poirot et puis aussi dans, dans les mots de, de Fabien Mnucho, la, la préfète ce sont les mineurs à accompagner, les Amena. Euh, C'est une problématique pour vous Quelles, les, quelles sont les solutions pour. Euh, D'abord les accompagner et euh, éviter qu'ils ne plongent dans cette délinquance et n'y participent. Alors, le terme, je trouve, Mena, est trop générique et pas souvent euh, très bien choisi. Moi, je dis plutôt que des mineurs non accompagnés, c'est souvent des mineurs mal accompagnés. C'est-à-dire que beaucoup sont entre les mains de véritables réseaux parfois même qui les font venir, maintenant expliqué, qui les font venir, qui les, qui les exploitent sur le terrain, qui leur imposent un certain nombre de, de, de larcins pour ramener euh, le soir, s'ils veulent être nourris et logés, un certain nombre d'objets volés. Euh, donc là, il y a de véritables réseaux. Et là, c'est le rôle de la justice la police, de démanteler de démanteler ces réseaux. Donc ça, c'est ce que j'appelle, moi, les mineurs qui sont, hélas, accompagnés et mal accompagnés. Mais après, il y a tous les véritables mineurs non, non accompagnés. Il y en a. Pas... Ce n'est pas synonyme. Mineur non accompagné n'est pas synonyme de délinquance. Heureusement, même si vous avez rappelé des chiffres qui sont inquiétants, il y en a beaucoup qui sont en situation de détresse. Il y a actuellement à Bordeaux des structures d'accompagnement qui fonctionnent plutôt pas mal et donc qui s'occupent... qu'elles qu peuvent être, être améliorées, justement liens, mais bien sûr qu'elles peuvent. Et, et puis retirer de la délinquance ceux qui, euh, par instrumentalisation euh, d'adultes, euh, ont sombré, euh, sombré là-dedans. Donc ceux-là, ils ne sont pas... Euh, euh, c'est pas des cas désespérés, je pense qu'on qu les trouve souvent dans des squats de la ville euh, euh, ou en périphérie de la ville. Oui, et puis je vous dis, ce qui est grave, c'est l'exploitation. Enfin, la, la, la traite des êtres est... humains est... est une ignominie qui actuellement prospère. Pas à Bordeaux, mais pas seulement à Bordeaux, hmm. mais partout. La traite des êtres humains, c'est quelque chose d'absolument abominable, et beaucoup de mineurs euh, mal accompagnés font partie de cette euh, vague euh, conception de, de menditisme hélas, euh, florissant actuellement. Autre sujet, vidéosurveillance. Euh, plus de caméras à Bordeaux, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est envisageable Est-ce que c'est envisagé On ne va pas enlever les caméras, les caméras qui existent, qui existent actuellement. Il euh, y en a certaines qui sont en cours, qui avaient été promises par l'ancienne municipalité également, qui sont en cours, cours d'installation. Mais euh, j'ai déjà dit dans le cadre des, des entretiens, je, dis, bah avec, je vous promets qu'avec euh, la préfète et le préfet chargé de la sécurité, nous parlons beaucoup de ce problème, de la sécurité. que... En tant que maire de Bordeaux, je me sens très, très concerné. Dans le cas, encore aujourd'hui, de, de, de discussions avec euh, la préfecture pour des problèmes pas forcément liés à la sécurité, mais on en est venu forcément à parler, ces problèmes de la sécurité qui préoccupent tout le monde, euh, les autorités de l'État, mais également euh, la, mairie, la, la mairie de Bordeaux. Donc on parle de ces problèmes-là, euh, de vidéosurveillance, comme vous dites. – est-ce que vous pourriez mettre des caméras, par exemple, sur, sur le quartier Saint-Michel, comme il y en a ailleurs, sur bon, les quais ?– Il y, y a déjà des caméras. Moi, je trouve que les performances… De la vidéosurveillance ne sont pas au rendez-vous. On a mis à un moment donné des caméras de vidéosurveillance en disant Mais c'est très bien, ça va nous permettre de retirer des policiers sur le terrain puisque le travail sera fait euh, par des caméras de vidéosurveillance. C'est une vision idéologique qui me paraît totalement, totalement farfelue. Il fallait faire l'inverse, il valait mieux maintenir euh, ce que l'on a appelé la, la politique de l'IOTAGE, maintenir des policiers. Et alors, c'est plutôt ça, que de rêver d'une solution ça, technique. Vous l'avez demandé justement d'avoir plus de policiers, ouais. plus euh, de quand on demande. Euh, qui est une compagnie CRS, c'est quand même... Et puis en disant, nous on fait un effort, nous ville de Bordeaux, nous allons muscler les effectifs de notre police municipale. On attend de l'État également le même type de réponse, qu'il y ait davantage le de policiers sur le euh... terrain. Mais je crois, je crois qu'ils en, qu en, qu en, qu en sont conscients, en tout cas. Nous, nous allons le faire, puis on va donner le bon exemple. Et on attend de l'État également aussi qu'il y ait davantage de policiers, et davantage d'ilotage sur le terrain. C'est en tout cas une demande très forte des, des riverains, des commerçants. Et puis je crois que c'est un outil aussi à la fois de prévention et à la fois de répression. Donc, euh, un peu plus de bleu, je maintiens un peu plus de bleu dans les rues de Bordeaux. Il faut du vert, mais il faut aussi un peu plus, un peu plus de bleu. Je pense que cela me paraît être une des réponses. Il n a pas personne n'a la réponse, personne à la martingale. Le sujet, le sujet est complexe. Hein. Les réponses doivent être équilibrées. C'est une des, une, une des réponses. Il faut coordonner toutes ces réponses. Mais je crois que c'est ce que nous essayons de faire déjà depuis euh, tout début de notre mandat. Merci beaucoup, pierre de d'avoir été notre invité ce soir. Ne vous avez pas, l'info continue dans un instant, ce sera le sport avec Bastien Loquet. Merci.